Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. De retour sur Dragon Ball Xenoverse 2. Alors depuis, j'étais sur Jump Force. J'ai fait pas mal de builds, pas mal de petites astuces, combo. Je continuerai à faire des vidéos sur Jump Force. Franchement, je me suis assez amusé sur le jeu. C'est pas mal. De retour sur Xenoverse 2, les amis. Juste avant de commencer, les amis, alors je tenais à vous remercier parce que nous sommes bientôt à 4000 abonnés sur la chaîne. Franchement, c'est super cool. Franchement, je tenais à remercier les nouveaux arrivants et les anciens sur la chaîne. Alors, pour ceux qui ne sont pas abonnés sur la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner. Et pour ceux qui sont abonnés, les amis, je compte sur vous pour partager un maximum les vidéos et la chaîne. Alors, pourquoi je fais cette vidéo sur Dragon Ball Xenoverse 2? Alors, tout simplement, les amis, c'est que les serveurs PS4 vont changer. En fait, il va y avoir un nouveau serveur sur la PlayStation 4 sur Dragon Ball Xenoverse 2. Et apparemment, ce serveur s'appelle New Cotton City. En gros, le nouveau Cotton City. Et pour le coup, les amis, ça me fait penser à une vidéo que je vous ai fait il y a quelques temps. Je vous laisserai le lien de cette vidéo dans la description. J'avais parlé comme quoi il y aurait peut-être une nouvelle version de Dragon Ball Xenoverse 2 qui sortirait. Franchement, les amis, je pense que je n'en suis pas loin. Parce que là, en fait, ils vont faire une mise à jour. Et franchement, cette information est super importante, les amis, parce que vous risquez de perdre vos données pendant cette migration de serveur. J'ai suivi un petit peu les informations du côté de Bandai Namco. Alors, appel à tous les patrouilleurs du temps en activité dans Dragon Ball Xenoverse 2. Le 20 mars, Cotton City entrera dans une nouvelle dimension, enfin sur un nouveau serveur. Donc voilà, enfin, ils vont nous changer les serveurs. Franchement, ça va être top. Alors j'espère que ce serveur, il n'y aura aucun problème. Mais il y a une petite mise en garde, les amis, c'est qu'il y a un risque que vous perdez vos données. De toute façon, il y a beaucoup de données que les joueurs vont perdre durant cette migration, mais vous allez pouvoir débloquer certains titres et certains objets que vous avez débloqués dans l'ancien serveur, que vous allez pouvoir débloquer dans le nouveau serveur. J'ai le scan sous les yeux, je vais vous lire ce que Bandai Namco dit sur le sujet. Afin de préparer la migration et de minimiser l'impact de la perte de données, nous vous recommandons de faire une copie de votre liste de joueurs favoris. Vous pouvez ainsi les retrouver plus facilement sur le nouveau serveur. Nous vous conseillons par ailleurs de rendre visite au service temporel pour récupérer tous vos cadeaux. Le serveur actuel sera toujours disponible, mais nous n'y déploierons plus aucune mise à jour. Et nous n'y organiserons plus d'événements en ligne. Donc voilà, il est important de faire la migration sur le nouveau serveur. Parce que en fait, ils ne feront plus aucune mise à jour et plus aucun événement sur l'ancien serveur. Et je pense qu'à un moment donné, ils vont finir par le fermer. À partir du 20 mars, vous aurez le choix entre Original Cotton City et New Cotton City. Ce choix ne sera pas définitive et vous pourrez passer d'un serveur à l'autre à tout moment. Donc voilà, vous allez pouvoir changer de serveur à tout moment, c'est-à-dire partir dans l'ancien serveur, le serveur actuel ou dans le nouveau serveur New Cotton City. Après, je sais pas s'ils vont fermer le serveur, mais il y a des chances qu'ils vont fermer l'ancien serveur parce que déjà ils ne vont plus faire aucune mise à jour, plus aucun événement en ligne. Tout se passera dans le New Cotton City. Les fonctionnalités raid de cristal, match en ligne, quête parallèle et mission expert resteront disponibles sur le serveur Original Cotton City. Pour le moment, nous n'avons prévu aucune date de fermeture pour le serveur. Les données perdues lors de la migration seront points de partie classés illimités, résultat du tournoi Tankeshi, classement des événements en ligne, historique des cadeaux, cadeaux restants dans le service temporel, titre en ligne, historique des favoris, historique des joueurs rencontrés. Donc voilà, il est super important que vous sachiez cette information. Donc à partir du 20 mars, il y aura une mise à jour et Dragon Ball Xenoverse 2 changera de serveur. Et il y aura le serveur Original Cotton City et le New Cotton City. Et entre le 20 mars à 7h et le 20 avril à 15h59, tous les joueurs recevront 500 médailles TP
Ben, en gros, Bandai Namco s'excuse ben, pour cette migration parce que beaucoup de joueurs vont perdre des données et pour que tout le monde, en gros, ben, soit content, ben, ils donnent 500 médailles TP. Mais franchement, ils auraient pu donner franchement un peu plus parce qu'on va devoir refarmer encore pour gagner ben, les titres que, ben, qu'on a gagnés déjà dans les événements. Il y aura peut-être des accessoires qu'on va perdre, des titres, c'est sûr qu'on va en perdre. Les classements, ceux qui ont joué en classement dans les tournois, ah ben, vous allez perdre ben, tous vos classements apparemment. Ben, en tout cas, j'espère que cette migration de serveur se passera bien. En tout cas, préparez-vous pour le 20 mars, ben, changement de serveur sur la PlayStation 4. Pour les autres consoles, je ne sais pas encore, mais l'information actuelle concerne la PlayStation 4 et nous allons avoir ben, un nouveau Cotton City avec de nouveaux événements et ils amélioreront aussi sûrement ben, les combats en ligne. En tout cas, les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu. De retour sur Dragon Ball Xenoverse 2 après un mois d'absence. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait et à partager la vidéo. C'est toujours bon pour le référencement. Je vous dis à très très vite et merci pour votre soutien. So good.